Salut tout le monde, c'est Darkmoon. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de comment trouver tous les artefacts des draps dans Skyrim. Donc je vais vous montrer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ça va être je vais faire vraiment tous les artefacts des draps. Donc déjà vous allez au baraquement d'Épervine, donc bah Épervine, donc là je sers. Donc vous parlez Auguste qui est là. Enfin, que c'est un loup-garou en ce moment, mais normalement c'est un mec. Mais comme je l'ai déjà parlé, c'est un loup-garou. Et après, vous TP. Enfin, vous devez aller tuer une bête qui se trouve approximativement par là. Et après, ben, vous parlez à l'âme de la bête. Et vous devez aller à la grotte de Bouffy. Mince. Je me suis fail. Donc la grotte du Bouffy, pour ceux qui se demandent, il y a un katana spécial, katana unique, la grotte du Bouffy. Donc ça vous permettra de la découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert. Et je vous montrerai, parce que je passerai devant là où est entreposée l'arme normalement. Donc on va faire ça. Et oui, j'ai Dunga. Donc il y aura plein de trucs en ce moment sur notre chaîne, ça sera des tutos Skyrim, je vais faire prendre. Donc, grotte du Bouffy, encore un chargement, parce que rien n'est plus beau que les chargements. Je prévois aussi d'installer des mods pour avoir des extensions de jeu, des nouvelles. Ah bah voilà. Vous voyez ce que je vois? C'est fabuleux. Reçu l'appel de la lune de sang. La proie est forte, plus forte que les chasseurs. Mais d'autres viendront. Abattez-le pour la gloire du seigneur Irsin. Voilà, donc, j'ai oublié de vous dire, elle va nous conduire au parchemin. On va chercher l'anneau d'Irsin là, et aussi la peau du sauveur. Donc qui sont tous les deux des artefacts des draps, des drits, et qu'on peut normalement avoir que un seul des deux. Donc moi, si vous voulez en avoir qu'un, vous pensez la bague. Mais elle va nous conduire au parchemin. De transformation au loup-garou. Toi, je vais te tuer avant que tu y ailles. Et oui, je vais vous montrer comment avoir les deux. Alors normalement c'est un petit glitch, mais je pense que ça a été le... En fait, ce connard qui est là, je l'ai retrouvé dans la cellule de l'autre. Que je voulais le plus qui file la quête. Donc ce qui m'a fait totalement bloquer. Venez, elle va nous conduire. Donc là, ça peut c'est normal pour moi. Et je dors le mec à plus tard. Ah, stupide. On monte et on lit un bonjour. Très bien. Et c'est ce que je mériterais, hein? Je ne peux pas vous en empêcher si c'est ce que vous voulez faire. Mais si vous m'épargnez, je peux être un excellent allié pour vous. Et je ferai le serment de ne jamais retourner à une deux, vie civilisée. On va je pas sais maintenant que je ne peux pas vivre plus parmi tard. Les gens. Et voilà, je vais vous laisser la vie sauve. Les dieux soient loués. À présent, occupons-nous de ces autres chasseurs. Traquons-les ensemble. Donc maintenant, il faut que j'aille tuer les chasseurs. Donc... Après on le tuera tout à l'heure. Vous voyez, c'est le... Oui, c'est là qu'on trouve le katana avec une petite note disant que ce katana pour fera du soin. On a été trahi. Donc regardez ma tenue qui se wag. Oh, à la fin de ses vols planés. Et elle est... Attends, je vais la montrer mieux. Elle est très swag. Voilà. Donc j'avais juste envie de vous montrer ça. Maintenant on va tuer du méchant. Merci de votre aide.
Je vais m'installer ici, loin de quiconque à qui je pourrais nuire. Voilà. Donc là, pas de quartier de maudite, donc je vais l'enlever. Ah. Okay. Ça, c'est la baise. C'est la baise. Donc ça, c'est la bec d'hyrcine, ça va ressembler à ça, ça va être ça. Mais je crois qu'il faut que je ressorte pour l'avoir. Donc, ouais. Je vais sortir de là, et on va... Oui, c'est bien ici, c'est par là. Donc, vous inquiétez pas, ça marche, je l'ai fait hier, ça marche très bien. Donc je dis, putain, elle est tellement belle cette arme. Je suis totalement cheaté. Tellement plaisant. Bienvenue, disciple de la chasse. Encore une grotte. J'ai déjà passé trop de temps. Non, c'est mon esclave. En tuant mes autres chasseurs, vous avez inversé le cours de la chasse. Pourtant, ils n'étaient pas des proies faciles. Continuez à vous amuser et à faire bonne impression. Vous avez ma bénédiction. L'anneau d'hyrcine en ma possession. Oui, bac d'hyrcine. Donc voilà, ça c'est là, c'est là, l'objet des draps que je vous dis. Donc ça fournit plus de transformation au loup-garou. Mais je vais pas m'arrêter là parce que voilà, quoi. La peau du sauveur est magnifique aussi. Donc il faut juste que je retrouve ce enculé qui ne peut pas être loin. Et on va le dépecer comme un porc. Voilà. Tu m'as fait honneur. Et tu as mérité mes faveurs. Cette peau te sera plus qu'utile, mon enfant. Regarde-la de plus près. Puisse ma gloire te protéger des maux de ce monde. Bonne chasse. Donc voilà, je vous ai montré comment avoir les deux artefacts éthériques. Je vais l'équiper parce que... du sauveur. C'est pas comme ça. Ah, je vais vous donner le... augmente la résistance à la magie et la résistance au poison. Voilà, donc c'est swag. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est très barbare. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si pour vous manifester ce que vous voulez. Hein. Pour dire si c'est bien, si c'est pas bien, j'accepte aussi. Donc abonnez-vous, mettez un pouce vert si vous avez aimé et à la prochaine pour un nouvel épisode sur Skyfall. Allez, salut.